ils arrivent avec, après 2-3 ans de route, en ayant subi vraiment des violences, des choses difficiles et tout ça, et ils arrivent et ils gardent beaucoup gardent le sourire, gardent une énergie. Je trouve ça que c'est extraordinaire. Il faut savoir qu'il y en a plein qui ont des séquelles graves physiques, en plus de morale, peut-être parce que quand on a peur en montagne, on a quand même bien peur. Moi, je me souviendrai toujours d'une petite gamine de 4 ans au refuge, qui était toute mignonne et tout, puis elle avait des cernes, mais comme une vieille dame. Et c'était horrible, en fait. Et je lui dis, je lui parle et tout, puis son papa me dit qu'elle a passé la nuit en montagne et qu'elle a eu très peur. Alors je lui dis, tu sais, t'es courageuse et tout. Et son père, il me dit, mais en fait, oui, elle est courageuse, mais nous, on n'a pas le choix. Donc malheureusement, pour deux personnes, là, on va être un peu sur leur parcours, trois personnes, pardon. Et bien en fait, ça s'est mal fini alors qu'ils étaient arrivés là, déjà, et un peu plus loin. Et en fait, ils sont morts. Voilà. Depuis deux semaines que je filme ici, ouais. J'ai entendu à plusieurs reprises. Que nos montagnes ne sont plus belles qu'auparavant. Ah oui. Elles sont tachées du sang. C'est vrai. C'est vrai que quand on se balade, il y a quelque chose qui a changé. کلی سختی داشتیم تو کشورمون که نتونستیم تعامل کنیم. من الان واقعا از شب رفت تاریکی و شب حرکت کردن و نور و ماه و اینا واقعا متنفر شدم. Malgré les obstacles rencontrés, les intimidations des forces de l'ordre, la criminalisation de nos actes par la justice, le durcissement des politiques migratoires, nous avons tenu promesse. D'une poignée de maraudeurs, alors nous sommes à ce jour plus de 300 maraudeurs à arpenter jour et nuit la montagne. Et ce chiffre ne cesse de s'accroître. La présence et l'agissement des forces de l'ordre obligent les exilés à prendre de plus en plus de risques. Cette présence oblige les exilés à recommencer leur tentative de traverser encore et encore jusqu'à épuisement. Il les oblige à se retrouver en grand danger, car danger il y a. Tous les solidaires européens seront là et on sera toujours beaucoup plus nombreux que toutes les forces de police qui pourront mettre, parce que nous, on est guidés par l'humanisme et par la dignité, et ça c'est beaucoup plus fort que les murs et les barbelés.